qu'ils vont le garder si ça en statique, il y a peut-être carrément d'autres choses à faire, c'est renouveler carrément tout le concept à zéro. Quand ça marche plus, il faut tout arracher, tout recommencer. Hier, on a installé un GPS chez un client, je faisais des vidéos pour la société qui installe les GPS, Intrax. Je demandais au client, parce qu'on parle ciment en ce moment, je demande au client, bon vous allez au salon ou pas? Il parlait du space, parce qu'il est arrangé, il va au space, c'est pas loin. Je dis, bah pourquoi vous y allez? Oh bah pour me promener, puis pour regarder le matériel quoi. D'accord, passer du bon temps. Ouais, surtout quoi. Donc ouais, plutôt par curiosité. Et j'ai l'impression que les gens ils vont rarement pour faire des affaires. Donc ouais, renouveau du CIMA, ça va être compliqué les gars. Moi je pense que c'est passé la mode estalante statique. Après, je vous fais une proposition aussi dans un autre poste que je vous montrerai. Ou peut-être que si on veut le garder, c'est estalante statique, il y a peut-être carrément d'autres choses à faire. C'est renouveler carrément tout le concept à zéro. Quand ça marche plus, il faut tout arracher, tout recommencer. Mais voilà, ouais, moi je pense que c'est fini. Et là où on peut vraiment apporter de la valeur à nos clients, ça va être les vidéos tuto, bien sûr. Parce que la vidéo tuto, ça va vous apporter de la valeur pour vos clients existants. Ça va vous apporter de la valeur pour des gens qui ne sont pas encore vos clients. Pour voir comment on utilise vos machines. Et ça va leur apporter de la valeur et leur montrer vraiment à quoi ça sert et comment ils peuvent l'utiliser et se projeter chez eux dans leur ferme. Ça permet aussi de former vos concessionnaires, vos salariés. Donc c'est un support qui va servir toute la société. Et ça peut aussi, et je vous encourage énormément à le faire, vous servir de support sur les réseaux sociaux pour faire votre pub, pour vous faire voir, et puis bah, pour apporter de la valeur comme d'habitude à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Parce qu'on en a marre de voir des grosses machines qui ronronnent de fou, qui sont brillantes. Ça n'arrive jamais dans les fermes. Donc montrez la vraie vie des machines. Laissez tomber tout ce qui est statique.